Alors, petite vidéo surprise, j'avais pas spécialement prévu. Je suis content, j'ai reçu un colis. À cette heure-ci, je me disais, tiens, qu'est-ce que ça peut donc être? Je n'ai rien commandé de spécial pour recevoir un colis. En fait, si, j'avais commandé des autocollants. J'ai fait des petits autocollants MV Rider 38. Par contre, je suis dégoûté, ils sont vraiment très petits, quoi. Alors, j'avais vu la taille, j'ai pas percuté que c'était en millimètres et pas en centimètres en fait. Je croyais que c'était du 3,5 par 5, mais en centimètres. Et en fait, c'est en millimètres. Donc, c'est vraiment très très petit. Enfin, voilà. Donc, j'avais prévu, j'en ai fait faire une cinquantaine pour voir. Honnêtement, à 50 euros, les 50, ça fait vraiment très cher. J'avais l'intention de vendre ça 1 euro 50, au final c'est le prix que ça me revient, donc je vais les distribuer gratuitement à tous ceux qui voudront bien. Je vais faire un petit coup de pub avec, voilà. Donc je vous les présente, si jamais vous en voulez, et n'hésitez pas au pire à m'envoyer votre adresse, puis je vous les envoie bien gracieusement, gentiment. Je suis de bonne patte, voilà. Et puis, n'hésitez pas à faire parler de la chaîne, aux gens que vous connaissez. Ah, je vais les déballer histoire que. D'en sortir un, qu'on voyait un petit peu quand même à quoi ça ressemble, ces petites choses. J'ai un cutter. Pourquoi je m'en serais pas servi de m'en voir? Le cutter interdit, ça découpe les doigts. Bon, alors la qualité est quand même pas mal. Ils sont quand même résistants à l'eau et aux UV. Je les avais fait faire exprès pour ça focus pas et ça brille tout ce qui va. Alors, on va faire autrement. Je voudrais le retourner, cousin. Voilà. Ça donne ça. Ça. Alors, c'est pas mal en grand. Mais à taille réelle, c'est vraiment très petit, quoi. Ça fait la taille d'une capsule de bière. À peu près. Mais ouais, la qualité est sympa au toucher, donc ils sont bien lisses. On sent qu'ils sont plastifiés. Apparemment, ils sont quand même assez épais. C'est le socle. Allez, j'en décolle un pour voir, pour vous montrer. Oh, comment je peux caler lui aussi? Alors. Par contre, où est-ce qu'ils s'ouvrent? Non, ils sont même pas prédécoupés derrière pour. Pour les décoller, c'est une catastrophe, j'ai pas d'ongles. Et comme je sais pas quelle épaisseur ils font réellement. Vous aurez un avantage, c'est comme on le découvre ensemble, vous saurez comment le décoller bien pour pas vous embêter. Voilà, au moins un tuto Ah, je l'ai utile, mis. comment Ouais, décoller un bien, ouais, quand même autocollant. bien nettoyé. L'autocollant, lui, il est vachement moins. Tant mieux. Ce qui permet quand même une pause. Si, ouais, ça fait. La qualité est sympa. Ouais, ils ont l'air de bien coller quand même. Où est-ce que je vais le coller? Bah tiens, sur la face arrière de mon téléphone, par exemple. Il risque de pas rester longtemps aussi. Si je... À votre avis, je le colle là pour qu'on voie la place du Samsung? Ouais, on va bien voir. Voilà, donc on est aujourd'hui le 10 octobre. Je vais le coller sur la coque de mon téléphone pour voir comment il résiste. Et ça vous permettra de juger de la qualité dans quelques temps. À voir combien de temps il tient, si ça abîme, si les bords se décollent ou quoi.
En fonction de ça, bah, je vous refais une vidéo très bientôt, dès qu'il y a des dégâts apparents, visibles, que si je vois qu'il tient pas, qu'il décolle, si par exemple je vois que c'est vraiment de la kick, et ben voilà quoi. Bon, de toute façon, ce sera cadeau. Bon, moi j'y trouve pas dégueulasse. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai dans le projet de faire des t-shirts. Donc dans un premier temps, ce sera sûrement ce graphe-là. Et après, j'aimerais bien, j'envisage en fait de faire le même logo, mais à la place de l'engrenage derrière, sur un fond de faucheuse. Une mort ou une tête de mort. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez l'idée bonne ou pas. Et puis voilà. Allez, je vais m'attaquer au remontage de l'allumage Moriyama du coup. Parce que sur la 103, sur l'autre moteur, parce que j'ai mis celui que j'avais acheté d'occasion. Mais bien que très sympa le vendeur, ben, il me semblait que sans boîtier CDI ça ne marcherait pas. Il m'assurait que si. Il me dit ah, t'inquiète, tu branches le plus à la bobine et le moins à la masse et ça marche. Donc j'ai essayé. C'est un fail total, je n'ai même pas d'étincelle. Donc au final, je vais l'enlever. Et je vais mettre le Moriyama tout neuf, complet, avec le CDI et la bobine haute tension. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Et puis, je vous mets une petite vidéo du démontage et du graissage ou du remontage du vario que j'ai fait dans la semaine. J'ai démonté, restauré le variateur qui était tout grippé. Full origine, je l'ai préparé un petit peu aussi. Je vous laisse découvrir tout ça en vidéo. Allez, ciao la team, à bientôt. Ah oui, j'oubliais, si toutefois vous voulez savoir sur quel site j'ai fait faire les autocollants, c'est celui-ci, Sticker Mule. Alors bon, bah comme je vous dis, la qualité des autocollants, elle a l'air d'être vraiment très 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 bien. Ce que je vois, ne serait-ce que les autocollants que j'ai pu avoir pour le kit décoration Polini, par exemple, les autocollants Polini pour Mabrel, ça a l'air d'être une qualité bien, bien, bien supérieure quand même. Le Polini, c'était vraiment très fin, vraiment très peu résistant. Ça a tenu à l'eau, mais le soleil, ça y aime pas bien. Alors on verra cela. Je vous tiendrai informé de tout ça, de la résistance de ces autocollants. Et si ça vaut le coup, Sticker Mule. Je place le produit, je ne suis pas sponsorisé, c'est de la simple information. Je ne touche rien là-dessus, c'est cadeau. Voilà. Non, qu'on n'aille pas dire, ça y est, bientôt, YouTube, ça va, hein, la publicité. Non, non, non. C'est du simple partage. Voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Voilà, donc je tenais aussi à rajouter que bah, c'est un site super fiable. J'ai commandé mardi. Ouais, mardi matin, j'ai fait les stickers sur le. Donc déjà, il y a trois vérifications offertes. Trois fois, il vous envoie votre sticker, vous pouvez le retoucher gratuitement. Moi, je sais qu'au bout de la deuxième fois, ça a été parfait. Enfin, ça a été largement suffisant pour ce que je veux en faire. Ensuite, dès la livraison annoncée le 14 octobre, j'ai été livré aujourd'hui par UPS qui m'ont appelé pour savoir si j'étais à mon domicile avant de me livrer. Donc, pour une fois, des livreurs très sérieux. Le site, apparemment, c'est un site américain. Mais très fiable, très sérieux et puis du coup très satisfait. Je leur ai fait part de mes regrets vis-à-vis de la taille des stickers. Donc bah, du coup ils m'ont fait un bon de 10$ sur la prochaine commande ou sur toute commande dépassant 32$. Comme de toute façon, si j'en refais des plus gros, ça va sûrement me coûter plus cher. Donc voilà. Content quand même et puis bah, j'espère pouvoir sortir une petite série de stickers d'une quinzaine de centimètres
pour moins de 3 euros, ça m'arrangerait. Voilà, le but c'est d'en tirer un léger bénéfice. C'est vraiment, j'ai beaucoup beaucoup de pièces à acheter. Là, j'ai fait une commande sur les SX, j'en ai pour 450 euros. C'est pour les 103, c'est un seul moteur, j'en ai 4 à faire. Vous vous rendez bien compte que j'ai un salaire de smicard plus, on va dire. Donc c'est compliqué. Je ne peux pas passer tout mon salaire dans les mobilettes pour vous faire des petites vidéos. Donc si vous appréciez mes petites vidéos et mon petit style de peinouche, n'hésitez pas, plutôt que de faire des dons, réclamer de l'argent, je trouve ça fait vraiment miskin. Eh bien, j'ai eu l'idée de faire des stickers et je vous dis d'emblée, dans la foulée, je vais voir pour faire des t-shirts. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas, votre avis compte, les amis. Je peux le faire tourner pour qu'on voit comment ça comprime. Attends. Comme ça, ouais. Ouais. Ah, on l'entend. Hein. Attends, c'est la galère. Attends. Tu vois, attends, mets-le à plat. Voilà, c'est peut-être plus pratique. Tiens, ma cadre là, du coup. Oh putain! Ouais, quand il est sur la compression, il est... Ah ouais! Il compresse, hein? Ouais. Ouais, il compresse suffisamment. Ouais. Ouais. Bah voilà, en fait, il est pas si dégueulasse que ça. Hein. On va voir en espérant qu'il ne fuit pas là. Ouais, qu'il ne fuit pas. Non, mais ça ne devrait pas bouger. Bah non plus, normalement non. On verra, on va lui monter l'admission, on va lui faire la pipe, et puis on verra. Voilà, voilà, donc le petit trou là, je l'ai débouché. Apparemment, ce serait un trou de graissage. Donc derrière, j'ai ouvert, j'ai blindé de graisse, et en fait, avec la force centrifuge, ça viendrait graisser la cloche, pardon, comme ça, le canon de la cloche. Donc lui, on va bien le nettoyer, passer un coup de dégrippant et lui en mettre un bon coup de graisse. Mais on peut voir que la bague en téflon, il y a du cuivre apparemment, non, c'est du cuivre avec un revêtement en plastique. Oui. On peut voir que ça bouge, ça n'a pas bougé, et c'est pour ça qu'il faut que ce soit bien graissé, sinon bah voilà, ça accroche quoi. Mais là déjà on l'a bien dégrippé, hein. On va bien voir après. Voilà, alors on va finir cette petite vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter, partager, tout le tralala, on s'en fout, mais voilà. Petite transition sanglier, voilà le tableau de chasse que mon père a réalisé dimanche dernier. Donc il n'était pas tout seul bien sûr. Ils ont réalisé ça en battue, mais il a eu la chance que les trois lui sont passés à côté, il a pu les tirer. Donc voilà, je vous laisse un petit peu apprécier le tableau de chasse pour terminer. Et désolé pour ceux qui n'aiment pas la chasse, mais imaginez-vous, vous promenez dans les bois, vous tombez sur des bêtes comme ça, vous, vos enfants, vos chiens, ça vole dans tous les sens. C'est des bêtes féroces, c'est un truc de fou. Allez, on se laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous à tous les amis. Ciao.